Nous, l'ensemble des jeunes ici présents, au nom du président du conseil départemental Alimane, au nom de l'ensemble des maires du département de Nioro, nous les nuyons, de les sentir, de les gérer. Nous quittons ce lieu sur notre frère, notre camarade Abdou Wahab Diey. Nous avons amené des yalades na mon modèle de structure du fiche département B. Mais je saisis également cette opportunité pour saluer mon collègue maire Ibrahima Diey, du Sunyo Kharet, du Sunyo Lop. Je vois également un autre maire à côté, Aliou Cham de Kermalongo, mon dominion connu au Boubar. Je vois que vraiment c'est une rencontre très importante parce que nous avons une jeunesse qui est fer de lance qui est parti politique. Jeunesse qui est fer de lance. Qui coalition de partis politiques. Aujourd'hui, vous vous retrouvez ici à Nioro, je peux dire pour dégager des stratégies, vous pouvant aider et faciliter la victoire du Benno Boko Yakar dans le département de Nioro. C'est pourquoi je peux dire que tous les maires du département aujourd'hui sont optimistes parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ont une jeunesse engagée, une jeunesse motivée, mais également une jeunesse compétente, capable de relever les défis. Et aujourd'hui, le défi majeur, c'est de faire gagner la coalition Benno Boko Yakar à 90% aux élections législatives. Donc, l'eau nous règne. Je connais également, qui président de Yam, mon frère Amad Tambedou à côté, mon ami et frère Moustapha Diop, mon frère Insa Fatou, on veut gagner, mais pour gagner, il faut une unité. Sans l'unité, sans la paix, rien ne peut se construire. On peut construire, on peut dégager des stratégies, mais il faut que ces stratégies soient reposées sur une base solide. Et cette base, c'est la paix, c'est l'unité. Donc aujourd'hui, qu'on taise toutes nos divergences. Aujourd'hui, qu'on se retrouve autour de l'essentiel pour aider le président de la République, le président Macky Sall, à avoir une victoire éclatante pour les élections législatives. Parce que Nigo Nyobhamé, le président, mandat mungi diar 2024, mais gisne, teisne, a eu la chance de perdre les élections, on peut dire que mandat bi filé yem déjà, parce qu'il ne pourra pas gouverner paisiblement. Donc, on a glorieux, tarna tey, nyun nyob mi wala dage, diapalante, don ben. Et je peux dire, président de la République, il a tout fait pour le Sénégal. Il a fait pour tous les Sénégalais. Mais Nioro, ce qu'il a fait maintenant, il a fait quelqu'un. Et si vous avez la commune de Nioro, vous savez que la commune a changé, de visage. Et c'est grâce au président de la République, Macky Sall. Aujourd'hui, son dernier qui poste de responsabilité, le président de l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité de l'État, il est de Nioro. Nous avons un ministre, nous avons des DG, nous avons des PCA, nous avons des chargés de mission. Nous avons vraiment beaucoup de responsabilités dans ce siège, dans cet attelage gouvernemental. Donc c'est pourquoi nous aussi, on doit rendre le président la monnaie pour qu'il puisse gouverner paisiblement les deux années qui restent. L'on ne peut pas dire, parce que Nico Insaoré, nous savons que nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde, nous parce que gars ci lañuy profito ci lu mo bi pour mëna ñëw occasion la té on a beaucoup de problèmes à gérer là-bas, des problèmes fonciers lañ ma wo am na ñu may xaar, sinon j'allais rester pour ba réunion bi jeex, mais dafa am ñu may xaar que tant que dawu ñu fi né mo lañ ko trancher, motax damay jéggelu dina libéré wu di ñaan yalla ñu commencer ko ci bismillah terminer ko ci alhamdoulillah rabbil alamin. Vous avez le bonjour quand je dis tous les maires Abdou Ndiaye ci la bokku le maire Abdou Ndiaye mou ngi len di nuyu mou ngi len di sante mou len di gërëm. Je dirais aujourd'hui il y a une recomposition politique au niveau national mais également au niveau départemental. So c'était les élections locales y passées dafa am luñu woné, il y a un rajeunissement, tay so démé ci collectivité. On a aujourd'hui le plus jeune maire du département, je ne dirais pas du département, le plus jeune maire de la région est de Nioro, Samba Sall. Abdou Ndiaye, c'est un maire, il est jeune. Salou Sis, c'est un maire, il est jeune. Ibrahima Niala, c'est un maire, il est jeune. Ibrahima Mir, c'est un maire, il est jeune. Moi, la même chose. Hein? Mon frère, Aliou Cham,
Donc pour wonné mbir mi jeunesse bi ko yor mais pour ñu yor ko moy nañ and djubo lepp ñu sanni su fekke djubo man ta am sax ñu nopi problème yi bu élection yi passé mais li gën ñu djubo su fekke man ta né nañ faté le ku nekk am li nga bay après élection djubo dina am donc mais li gën ñu def ko déjà présent parce que contexte bi dafa grave té xam nañ né on a une opposition très, je dirais pas très dynamique, mais qui perturbe. Donc, sans cette unité, hein, sans cette synergie d'action, maintenant, aujourd'hui, il y a la jeunesse. Moi qui vous parle, je suis le secrétaire général de l'Union du département de Nioro. Les adultes, les responsables, ils vont vous accompagner. Mais si vous êtes du boy, leader du département yo man lañ ci diar djubo parce que jeunesse bo fi gis amna ko muy réclamer jeunesse Abdou Ndiaye jeunesse Ali Mané jeunesse Lamine Dié jeunesse Di Momar jeunesse bu lay amna ki ngay réclamer donc na tay djubo ci man ñi jeunesse bi moko wara faciliter pour fini djubo rek mbir mi day yomb pour baña guddal la may Ibrahima ma ngi leen sant ma ngi leen di gëreum juste paré mo won jël parole sax dama jaaroon pour gis leen nuyu leen ci lama waxa imposer dama tu vas parler nga ubil ñu nga doora mëna dem ba nga leen di sant ba nga leen di gërëm wa salaam eta may la mante mo biñu amé programme amon budget buñ def bi ñëwé le président du conseil départemental tête liste le budget bi jël na 1 million jox leen ko Abdou Ndiaye nañu le reste du budget jël na ko man ak Samba Sall te honoré nañ seen parole donc budget bi leen présenté won yépp jox nañ ñu ko ñu leen di sant ci loolu ñu leen gërëm comme ñoom xam nañ ne tey élection yi ñii ñoo koy gagné xam nañ ne jigéen ñi ñoo koy gagné moo tax li ngi leen woo wuy si nañ ci soo demee nga ne Abdou Nebo jeunesse benno bokk yaakaar bi yëpp ñu ngi koy jaajëfal di ko ñaanal yàlla donc sans plus tarder dañuy continuer le programme et sur ce donc le coordonnateur nee na ñu may xamante ni tamit ràññee naa leen nga xam ne depuis belle lurette ñun ak ñoom ñu ngi si dans le cadre de benno bokk yaakaar dans les jeunes de benno bokk yaakaar ma xàmmee leen ci ràññee leen ci muy ku mel ni Elhadj Baba Niang de Taïba Niasset ku mel ni Moustapha Thiam ku mel ni Babacar Camara ku mel ni mon ami Ousmane Dramé soxna de PS et tant d' autres je vois que ne ba léegi ñu ngi continuer combat di wax rek ne sans autant monopoliser la parole que depuis 2014 ñun ñooy coordonner les jeunes de la coalition benno bokk yaakaar en parfaite harmonie ak ñi ma tudd nii ñoom Moustapha Diop ak ba Moustapha Thiam qui s'excuse vraiment de son absence ñu wax rek ne dañ jëm ci ay élection élection yu am enjeu depuis Macky Sall accéder ci pouvoir masa bu def élection ñu ëpp enjeu élection présidentielle yi ñu jàll parce que élection yi ñu jëm muy élection législative mooy élection yoo xam ne c' est pour la stabilité du pays dafay permettre le président Macky Sall mu mën a continuer liggéey bi nga xamante ni sumb na ko parce que s' il n' a pas une majorité confortable à l' assemblée du ko man te loolu nag ci ñii la ko compté si ñaar ñii mooy ci ndaw ñi mooy ci jigéen ñi te bu ñu leen ndaw wax na ni jigéen wax leen toute la France de la population parce que une population soo si génnee les jeunes et les femmes jeex na ndaw ñi ñoo actif jigéen ñi kër goo dem jigéen ko yor kër goo mën a dem ci réew mi jigéen ko yor donc ndaw ñi jigéen ñi su doxee rek lépp dox donc on vous exhorte ici les jeunes avec qui j'ai été depuis 2014 dans ce mouvement de benno bokk yaakaar que je retrouve encore ici je vous exhorte dans cette lancée d'accompagner nos jeunes frères parce que gis naa fi de nouvelles têtes am na ñoo xam ne maa ngi leen fiy doog a gis ça montre une fois encore que ne affaire bi mu ngi jub waxam comme ni ngi koy waxee mu ngi jub koc que déterminante pour le président de la république parce que bu ñàkkee majorité assemblée nationale mënatul gouverner Sénégal nous le savons tous donc ñun ñëpp ay responsable lañ fii ku ci nekk sa xalaat rafet na ku ci nekk sa taxawaay rafet na tu es l' acteur principal de la chose xam ko nga jëfee ko doxee ko pour
pour que nous puissions réussir la mission. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Mahfouz Diouf, qui a repris ce département. Nous allons voir la coalition Benno Bokoyaka, commune de Pons Koto. Si vous connaissez, nous sommes responsables de la commune. Dans ton acte, le camarade Bawanya, qui est représenté la jeunesse socialiste digitale, et son camarade Diatou Dramé. Mais nous devons faire que tout le monde qui est en train de se faire, est en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en Nous avons fait des choses. Il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on soit responsable. On n'est pas, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit être irresponsable. Nous sommes là. Nous avons fait un peu de temps. Donc, nous ne le pas l'ensemble des maires qui sont là. Nous avons une grande responsabilité au niveau du département. Nous avons une lourde responsabilité. Nous avons une jeunesse mature devant nous. Combat la bourrée, combat à Kan, ouais, nous avons une communication. Donc, pour amener à l'ensemble des 15 maires. Avec l'ensemble des structures du département, nous avons cette fois-ci une reconfiguration de la politique de la jeunesse. Donc, nous jeunes, nous avons un travail, nous avons un problème. Donc, nous avons un responsable. Nous avons un président Macky Sall, 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 nous av
nous informer. Car il y a des gens qui intoxiquent le cerveau de notre population. L'olive nous dit que la base de cerveau, nous avons maquillé à des objectifs. Parce que la politique, ce sont des objectifs. C'est celui qui sait désigner clairement les objectifs de ses actions pour alors les atteindre. Et on a assez d'objectifs. Nous sommes tous les deux.